Alors on va prendre la Bonjour. Voilà maintenant un nouveau bateau de Romuald, une réplique de ferry norvégien, mais il a encore une fois une singularité. Alors oui, ce ferry là, il a été fait lui aussi complètement en 3D. Donc la partie pont, la partie coque, tout est vraiment fait en 3D. L'hélice aussi, tout est fait en 3D. Alors on n'a pas beaucoup d'enfants. Dessus, normalement, il devait être équipé d'un... Les cales de sauvetage, non? Les micromoteurs, je crois. Ouais, les micromoteurs, mais moi j'ai mis un 380 parce que c'est tout ce que j'avais sous la main. Ben, c'est bien, du coup il doit être un peu plus efficace. Ouais. Par contre, il aime pas quand il y a trop de vent. Bah ben, vu la taille, il est à quoi, au centième? Ouais, par là, ouais. Du coup, le vent le promène. Bon, allez, montre-moi à quelle vitesse il peut aller quand même, parce que là-bas, pendant les bolides sont en train de gronder. Ah ouais, d'accord, la transe. C'est vrai qu'il est pas bien grand, hein. Il doit faire quoi, 50 cm à peu près, non ouais. Oui, c'est vrai que le temps, j'ai pas mis Bah écoute, c'est déjà très original, hein. Ah bah il avance gentiment. Tu fais demi-tour. Ah, tu fais marche arrière, même. Il est équipé d'un... C'est une batterie 6 volts de... Toute petite... Une batterie 6 volts, une IMH qui est dedans. D'accord. Il est quand même très sympa et on est dans un cadre assez exceptionnel, c'est sympa. Eh bien écoute, merci à toi et comme une fois à nouveau, je dirais au revoir les amis.